Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio... Benjamin Müller. <laughs> oh la la, mais c'est Guten <laughs> Tag, Benjamin Müller. C'est pire en pire. Guten Tag. Empire. Guten Tag a tous. Entschuldigung, deutsche Qualität. Guten Tag. Et l'info à la une, tout de suite, s'il vous plaît. <lacht> <lacht> Annonce cette semaine du ministère de la Santé, la vaccination contre les rotavirus est désormais recommandée pour l'ensemble des nourrissons. Les rotavirus, c'est quoi Le virus responsable des... Gastro-entérités. Gastro oh Alors, vaccins recommandés et bien sûr non obligatoires sont concernés les bébés. Âgé de 6 semaines à 6 mois, cette recommandation était déjà en vigueur entre 2010 et 2015. La mesure avait été ah. suspendue après la survenue d'effets indésirables. Mais donc, la HAS, Aut Autorité de la Santé, a pris le temps de bien réévaluer toutes les données sur ce vaccin et donne aujourd'hui son feu vert. C'était interdit depuis 2015 Non, c'était pas, pas interdit, c'était plus recommandé. Ah, d'accord. Ben, bon, bon, on l'a fait pour notre premier et pas pour notre deuxième, c'est ça voilà, bah, Oui, ça. Il me semble ah, bien, parce qu'effectivement j'ai fait, moi en tout cas, pour un des deux. Ouais. Dans tous les cas, n'hésitez pas à en parler avec votre pédiatre Arnaud Pfersdorf, notre pédiatre qu'on adore, n'hésitez pas déjà à le recommander bien avant le ministère de la Santé. Le précurseur Pfersdorf, l'info, tant d'écran, s'il vous plaît. Alors vous allez me dire que je vous parle tout le temps du temps d'écran de nos enfants, ce qui n'est pas totalement faux, mais le sujet de... C'est devient... vrai, Benjamin, vous en parlez tout le temps. <laughs> <L> Obsession. <laughs> vous vous soulevez, vous culpabilisez. Bah, je vais continuer. Il faut dire que le sujet devient un enjeu de santé publique. Grande enquête publiée mercredi par Santé Publique France sur le sujet, qui nous apprend que les enfants de deux ans passe aujourd'hui en France près d'une heure par jour devant un écran. Regardez, à l'âge de 2 ans, 56 minutes. À l'âge de 3 ans, on passe à 1h20. À l'âge de 5 ans, 1h34. On parle ici de moyenne, ce qui veut donc bien évidemment dire que certains enfants font beaucoup plus par exemple ce chiffre 11 des enfants de 2 ans sont plus de 2 heures par jour devant les écrans alors santé publique France qui est l'agence nationale de santé en France rappelons-le nous apprend aussi qu'il y a un lien assez clair entre le niveau d'études des parents et le temps passé devant les écrans et dernière chose quand on parle d'écran de quoi parle-t-on et eh bien, on découvre que plus les enfants sont petits, plus ils regardent ce vieil, euh, ce vieil objet qui traîne peut-être dans votre salon qu'on appelle la télévision. Oh, les ouais. tout petits regardent encore beaucoup la télévision, et plus ils grandissent, plus ils se tournent vers des tablettes ou vers des téléphones. L'objectif d'une telle étude n'est pas de culpabiliser les parents, précise Santé Publique France, mais de mieux identifier et cibler les catégories à risque d'usage excessif, et aussi de tenter de comprendre comment les enfants deviennent accros à ces écrans. Parce que oui, on parle bien d'enfants qui deviennent Accro aux écrans, Santé publique France, rappelle cette recommandation relayée notamment par l'ARCOM, pas d'écran avant 3 ans, l'OMS dit de limiter à une heure maximum entre 2 et 5 ans. Je sais que vous n'aimez pas quand je relaye ça. Hein. Bah en fait, <laughs> c'est chiant. Non, c'est pas ça, c'est que euh, oui, bon, ben bah voilà, on sait, mais ouais. après, il y a la réalité. Euh... Et de, de, du quotidien, avec parfois les parents, c'est pas parce oui. qu'ils veulent pas s'occuper des enfants, c'est qu'ils sont bien épuisés. Sûr, bien sûr. Bon, Maintenant qu'on qu a dit, dit tout ça, je vais vous parler d'écran. Parce que les oh écrans, c'est bien aussi non, pour les pas. plus grands. Oui. L'info magique, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il y a ici des amateurs de séries oui. oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a ici des amateurs d'Harry Potter euh, mon fils. Oui, donc, oui, mais dites oui, ça m'aide. Oui. oui, merci. Oui. Oui. Voilà, bien sûr. C'est vendredi, madame, pour tout le monde, pour moi aussi. Je suis un humain, vous savez. Euh, cette information va donc vous plaire si vous aimez les séries, que vous aimez Harry Potter. Okay. L'info vient d'être révélée. La plateforme HBO Max vient HBO, de signer... peut-être. <coughs> Laissez-moi tranquille. HBO euh, je, suis, je suis germanophone, pas, ouais, ça. Euh, pas anglophone. Euh, la, la plateforme HBO Max vient de signer un accord avec Jika Rowling pour adapter sept livres de la saga... En série, imaginez une série Harry Potter avec après l'incroyable succès de la saga en film entre les années 2001 et 2011. On sait peu de choses pour le moment sur la série, mis à part qui vont mettre le paquet, ça risque d'être assez énorme, euh, qu'elle va s'étaler sur dix ans, une saison par tome, évidemment, nouvelle distribution d'acteurs. Ce que l'on vient de voir ici, c'est la bande-annonce qui révèle la sortie, de quoi réjouir les vieux enfants que nous sommes devenus et les ados et les préados. D'aujourd'hui, ils n'ont pas intérêt à se voter. Ah ça. Alors ça, là, ça, ouais. là franchement, euh, mais comme il y a en ligne, à mon avis, ils vont pas se voter. J'espère. Mm. J'attends ça et je vous tiendrai responsable. Bien pour... évidemment. schön. Bitte, Müller.